La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode de La Vérité si je vends. Je suis aujourd'hui avec Ludovic Levé, qui est le Country Senior Sales Director France de HubSpot. Bonjour à tous, bonjour Hugo. Merci de nous faire part de ta présence. Comment tu vas déjà? Je suis très très bien, je t'en remercie. Et toi? Super, bah ça va bien aussi. Je reviens d'un trek en Roumanie, donc ça va, la forme. Du coup, le format, vous le savez, donc Ludovic va parler un peu plus de lui, donc une passion qui l'aide un peu à déconnecter et un conseil qu'il aurait aimé recevoir il y a 20 ans. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, donc pour ceux qui ne connaissent pas HubSpot, comment est-ce que tu décrirais ta solution, Ludovic? En quelques mots, on est une plateforme CRM acteur américain créée il y a 15 ans, cotée en bourse. On est aujourd'hui, on va approcher les 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires cette année et on a effectivement tous les composants intéressants pour accompagner nos clients dans le développement de leur business sur le marketing automation, la gestion des leads, le suivi des tickets, des opérations, de la data également. Donc, une plateforme complète. Un CRM bien, bien complet, effectivement. Juste avant, en préparation de ce podcast, tu me faisais part de deux passions donc, qui t'aident à déconnecter. Voilà, est-ce que tu peux en partager un peu plus sur l'audience, justement? Donc c'est maintenant que je me mets sur le divan, c'est ça? C'est exactement ça. Voilà, il y a une passion peut-être qui va surprendre. En tous les cas, j'ai d'abord une passion pour l'astrophysique, qui vient aussi de... Tant gamin, j'adorais la science-fiction et j'ai toujours été passionné par l'univers et ce qui nous dépasse. Ça me permet en fait de prendre beaucoup de recul sur notre quotidien. Je pense qu'on est tous, surtout dans la tech, on est tous extrêmement centrés sur des problèmes du quotidien, sur un rythme très soutenu de relations avec nos clients, sur énormément de tâches à gérer en simultané, sur parfois des égos qui peuvent être surdimensionnés par rapport juste à la réalité des choses. Ouais. Et je trouve que regarder et se passionner pour les étoiles et l'univers permet de prendre énormément de recul. Alors, en tous les cas, moi, ça me permet également de me vider la tête, ouais, et de relativiser beaucoup de choses du quotidien. Voilà, je t'avais prévenu, c'est un sujet sur lequel il ne faut pas trop me lancer. Je peux dire très longtemps. Mais ça me dépasse. Donc, c'est à la fois très très vieux, 13 milliards et demi d'années, et puis on sait quasiment rien. Donc ça, pour moi, c'est vraiment exceptionnel, c'est extraordinaire. Là, on pense au quotidien, on essaie de tout maîtriser, de tout savoir, tout mesurer, tout reporter, etc. Là, on a quelque chose où on sait quasiment rien, et tout nous dépasse. Ou ce qu'on sait de très important, on l'a appris il y a quelques années sur les ondes gravitationnelles en 95 sur les exoplanètes, qui étaient deux énormes révolutions récentes, qui étaient des choses qui avaient été théorisées mais pas vues. On les a trouvées, donc tout ça pour dire que waouh, ça fait beaucoup de bien, je trouve, au quotidien. Et c'est incroyable parce qu'effectivement les hypothèses d'hier sont pas forcément celles de demain, enfin tout se remet à chaque fois un peu en question. Ouais. Bah oui, il a fallu 100 ans pour confirmer les hypothèses d'Einstein, donc si tu veux, avec les ondes gravitationnelles, en détectant deux trous noirs qui fusionnent à 1 milliard d'années-lumière, donc ça nous dépasse complètement, je trouve ça tout simplement dément, voilà, et génial. Et toi justement, ça t'aide à te dire, à relativiser dans certains cas, de se dire on est tout petit, on est rien, enfin c'est quoi un peu le rapprochement de... Ouais, c'est la prise du recul, et à la fois c'est le domaine de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, que ce soit l'espace-temps ou la dimension du temps ou la dimension de l'espace des volumes. Mmh. Et je trouve que j'y vois aussi des parallèles, moi, avec le management, où on est, quand on est leader, on doit à la fois voir loin, voir grand, voir ce qu'on appelle la big picture, à court et moyen terme, mais aussi on doit savoir aller très vite dans des détails plus opérationnels, puisqu'il n'y aura pas de succès sur la big picture si on n'est pas au quotidien dans le succès. Il faut savoir faire ce qu'on appelle le zoom out big picture et le zoom in sur les détails du quotidien, la semaine, du mois, pour pouvoir faire en sorte de gérer les bons sujets et d'aller vers la trajectoire qu'on s'est fixée. Donc, l'univers, c'est aussi effectivement l'infiniment grand et l'infiniment petit. Il faut savoir gérer les deux. Ouais.
Et on ne peut pas parler d'univers sans que je te pose la question justement, quel est ton point de vue sur la vie extérieure? Est-ce que tu y crois? Et si oui, sous quelle forme? Est-ce que tu as déjà un peu réfléchi, j'imagine, au sujet? Ça n'engage que moi comme Bien réponse. sûr. Oui, j'y crois. Ouais. Pourquoi? Parce que statistiquement, étant donné les centaines de milliards d'étoiles, forcément, il y a une forme de vie. Statistiquement, la nôtre est là, donc il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas, quelles que soient les formules qu'on essaie d'émettre pour essayer d'avoir une statistique. Après, sous quelle forme? Certainement pas deux personnes comme toi et moi qui discutent là autour d'un micro sur un podcast. Mais en tous les cas, je fais confiance à la vie pour exister. Ouais. Et tu dis pas certainement pas de personnes qui discutent sur un podcast parce que quoi, tu penses que la vie aurait pris, tu vois, appris d'autres technologies qui sont pas forcément les mêmes et donc du coup qui amènent pas la même destinée un peu, enfin. Rien que si on regarde nos origines aujourd'hui, des bactéries, un milieu marin, et à chaque fois les sauts ont pris, pour passer d'une étape à l'autre, plusieurs centaines de millions d'années. Donc ce sont des sauts très 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 lents et qui sont le fruit de beaucoup de hasards. Il y a eu énormément de disparitions d'espèces, puis de retours, puis de disparitions, puis de retours. Et malgré tout, ça a pris le dessus dans des conditions qui permettaient de prendre le dessus. Donc je pense que oui, soit j'irai pas jusqu'à des formes, je sais pas si on peut en parler longtemps, mais autre chose que des formes biologiques, mais en tous les cas, le hasard a fait en sorte que malgré tout, la vie est apparue. Non, effectivement, et c'est ce qu'on se disait. À ma connaissance, on n'a pas réussi à le répliquer, même si on sait les différents éléments qu'il faut, on n'a pas réussi à le répliquer dans un laboratoire pour le recréer sous les mêmes principes. Absolument. Bah super, c'est original au moins, ça a le mérite d'être original. Et tu me disais que l'autre passion, c'était plutôt au niveau du coaching et tu faisais beaucoup le lien avec le sport de haut niveau? Ouais, je suis un grand fan de sportifs de haut niveau, de sport collectif. J'utilise beaucoup de parallèles sur la performance dans le sport collectif et la performance dans le management. Il y a des sports comme le basket que j'ai pratiqué longtemps ou le rugby qui me passionne. On a de la chance, c'est qu'on a des spectacles qui nous sont offerts. Là, récemment, on enregistre. Il y a quelques jours, c'était la finale des playoffs NBA. Donc, pour les passionnés, c'était un moment de grand sport et de grand coaching et des grands sportifs de très très haut niveau sur cette finale en tous les cas. Et puis on a de l'autre côté du rugby avec une équipe de France qui est très forte aujourd'hui, qui tient le pavé enfin parmi les meilleures équipes mondiales. Donc notamment à la fois il y a un facteur humain sur la performance individuelle des joueurs, la performance collective des joueurs, de l'entraîneur et de son staff qui fait qu'ils sont aujourd'hui dans un mode de surperformance et c'est vraiment un collectif emmené par son staff de management qui arrive à cette surperformance. Et quand on voit ce qui provoque ces étincelles de succès, c'est pour moi il y a beaucoup d'inspiration dans le succès au quotidien de notre management et de nos équipes. Et ça se traduit comment justement? Il y a un coach récent que tu as vu avec certaines méthodologies qui t'ont impressionné, qui t'ont dit, ah, ok, il faut que j'utilise avec mes équipes en interne? Ben, quand tu regardes, prenons l'exemple de la NBA, je pense que c'est peut-être celui qui parlera au plus grand nombre. Les Denver Nuggets viennent de gagner, emmenés par un coach qui est très très bon, Mike Malone, qui avait fortement envie de gagner. Donc ça joue beaucoup. Hein. Il avait très envie de gagner. C'est pas du hasard. Il n'est pas arrivé là par hasard avec son équipe. C'est une équipe qui travaille depuis plusieurs années. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui sont également importants pour le succès d'une équipe commerciale. C'est bien se connaître, travailler ensemble sur une durée pour pouvoir compenser les uns les autres quand certains ont des hauts et des bas, parce que même en finale de NBA, les plus grands sportifs ont eu des hauts et des bas. Bien sûr. Et ça, le coach sait le mettre en place, l'a mis en place, et les joueurs savent se compenser. Et le succès, par exemple, de cette équipe, c'était que il y avait des joueurs titres, des joueurs phares, des joueurs exceptionnels qui se connaissent bien, mais il y avait également ce qu'on appelle les remplaçants, les joueurs du banc, c'est-à-dire que sur une équipe de basket, tu as un 5 majeur et après tu as tout un banc derrière qui font faire les remplaçants. Et ces joueurs-là ont aussi chacun joué leur rôle quand il a fallu compenser les faiblesses des uns et des autres sur le collectif, sur le 5 majeur. Ça veut dire que le coach avait su constituer un super collectif et pas uniquement que de stars. Collectif complet, ça c'est important. On peut pas réussir une équipe commerciale peut pas réussir s'il y a une seule star ou deux stars dans l'équipe et le reste qui est pas au niveau. Forcément, pour être vers la surperformance, c'est hyper important. Et puis c'est une performance dans la durée. Je parlais d'une équipe qui s'est bâtie depuis 4, 5, 6 ans avant d'en arriver là. Ça veut dire que non seulement cette équipe-là, elle a été en succès, elle a gagné cette année, mais
Attendez ce qu'ils ont démontré. Je pense qu'ils ont mis un terreau qui permettra de gagner plusieurs fois les années qui viennent. Là, je peux déjà faire des prédictions. On a connu ça dans une autre équipe qui s'appelle les Golden State et Warriors qui sont en fin de cycle, mais qui ont eu un cycle énorme là sur les 8 dernières années où ils ont été 6 fois en finale et ils en ont gagné 4 fois. Donc c'est énorme quand tu vois la compétition qui est en NBA. Donc on peut créer le terreau de la surperformance. Avec les mêmes armes, ça, chacun à peu près a des budgets équivalents, le nombre de joueurs, mais par contre, le coach et le collectif qui est bâti autour de ce projet est hyper important. Et même en finale, ça se joue sur les 4 matchs gagnés, donc à chaque fois, chaque match est une nouvelle remise en question. C'est-à-dire, par exemple, quand c'est des batailles, il faut gagner bataille les unes après les autres. La saison est déjà très très longue, ils sont terminés, ils ont mené leur conférence, et après, ensuite, il faut aller gagner la finale, et chaque match est du grand sport. C'est-à-dire que c'est comme dans le business quand on doit affronter parfois des concurrents sur certains deals, où les concurrents sont très très forts, voire plus forts que nous, et malgré tout, il faut quand même réussir à les battre. Et il faut adapter son jeu, adapter sa stratégie en fonction de chaque match qu'on a joué, de chaque compétiteur. Et donc c'est une lecture des clés pour savoir comment on va pouvoir faire en sorte de battre un compétiteur sur un match donné ou sur un deal donné. Super intéressant ce rapprochement, et c'est ce que tu disais, donc du coup le coach arrive un peu à connaître les forces et faiblesses de chacun, de chaque personne de son équipe. C'est des choses que tu vois aussi, tu essayes de déterminer rapidement dans l'équipe que tu manages, justement. Absolument. Et les développer, les développer évidemment sur les zones d'apprentissage, mais deux, il y a aussi une leçon que tu apprends le sport de haut niveau, c'est que tu peux pas être bon partout. Tu as forcément des talents quelque part. Et souvent, on dit, c'est pas grave. Dans le sport de haut niveau, forcément, c'est rare sont les joueurs qui sont vraiment ultra polyvalents au basket. Donc, il y a forcément des zones de spécialité sur lesquelles il faut vraiment très très bien exploiter le joueur. Après, faut pas qu'il soit en déficit sur d'autres zones trop pour pas pénaliser l'équipe, mais en tous les cas, il sera exceptionnel sur une zone en particulier. Et c'est pareil dans le business, on a des commerciaux ou des managers qui sont très très bons sur certains actes réflexes, et on a tendance à dire souvent il faut travailler sur toutes les faiblesses pour que la personne soit très bonne partout. Moi, je suis pas de cette école là je pense que il faut la rendre exceptionnelle là où elle a une aisance et une appétence et une facilité, et la rendre correcte ou très correcte sur d'autres zones, mais ça sert à rien de compenser tout partout, parce que on peut pas être très très bon partout. Ça n'existe pas, et le sport nous le prouve, c'est extrêmement rare. Or, aujourd'hui, on manage des équipes qui sont diverses et variées, et des joueurs hors normes, ou des commerciaux, ou des managers hors normes, il y en a très très peu. Donc, il faut vraiment tenir compte de cette réalité dans le management, je pense. Et tu le fais comment ça au quotidien, quand tu vois que tu as une superstar en termes de management, par exemple une personne tu sais qui manage super bien, tu as des façons, des exercices que tu mets en place, ou comment est-ce que tu insistes sur ces points forts comme tu disais et travailles un petit peu sur les axes d'amélioration, ou évite peut-être des tâches qui sont sur ces axes d'amélioration? Premièrement, j'essaie de travailler sur l'auto-évaluation, ce qu'on appelle la conscience de ses talents et de ses faiblesses, donc le self-awareness, pour savoir si déjà la personne est consciente de tout cela, parce que c'est pas forcément le cas. Parfois, on est très bon et on sait pas pourquoi. On parle de soft skills ou de choses comme ça, ouais. Exactement, et surtout en management, où tout n'est pas, il n'y a pas de vérité vraie sur tout. Donc, c'est important de savoir pourquoi et de bien s'auto-évaluer. Après, je vais essayer de m'encadrer de manager, et je vais essayer de la challenger au maximum pour pouvoir me challenger moi, en disant je vais l'amener sur des zones de développement sur lesquelles le plus je pourrais déléguer, le plus je pourrais l'accompagner, le plus cette personne pourra me challenger moi sur mon rôle, le mieux ce sera. Et donc je vais la développer sur différents axes qui pourraient être parfois en dehors de son scope, mais en tous les cas qui vont forcément le développer, qui le rendront meilleur dans son rôle actuel. J'aime bien l'emploi du terme, du mot challenger, donc du coup l'amélioration un peu constante, en fait, prouve-moi que ce que je te propose n'est pas forcément la meilleure solution, et donc du coup tu réfléchis, tu m'amènes quelque chose de nouveau, en fait. Et puis l'amener sur des zones d'inconfort, ou des petites zones d'inconfort sur lesquelles la personne va se développer. Et de toute façon, quand t'es manager au quotidien, tu en rencontres forcément, t'as toujours des choses sur lesquelles une nouvelle situation, une situation que je pensais savoir gérer, et là j'y arrive pas. Et donc cette personne aura besoin de conseils pour identifier les bons symptômes, déjà, parce que souvent on a déjà du mal pour X raisons,
des biais cognitifs ou autres à identifier. Donc souvent les meilleurs managers, il faut aussi les aider à bien identifier, c'est la base pour pouvoir gérer, pour pouvoir adresser un problème. Et deux, remonter à la cause racine, à la root cause ou multiples root causes de ce symptôme, et l'aider, accompagner, identifier ça, et ensuite à voir comment on peut corriger le tir. Ouais. Et tu parlais effectivement d'ego, et là je fais le rapprochement sur l'univers, on est personne, on est tout petit, donc ça doit travailler aussi derrière. Ouais, surtout quand on manage les équipes, on est au service de l'équipe, hein, donc on est là pour accompagner un collectif. Évidemment, il y a forcément les actes managériaux forts pour emmener l'équipe, donc à un moment donné, il faut être aussi directif. Mais en tous les cas, on est au service de l'équipe et d'un collectif, et on gagne ensemble. Et on est là pour aider l'équipe à être au meilleur niveau tout le temps. Donc il y a, comme tu dis, des hard, des soft skills. Tu vois, je pense à... bon, je vais revenir, désolé, sur l'NBA, mais vas-y. J'ai en tête, j'ai regardé tous les... donc Mike Malone, j'ai regardé son coaching à la mi-temps, parce que c'est très important. Il y a beaucoup de pauses, beaucoup de dialogues entre les coachs et son équipe tout au long du jeu, mais également à la mi-temps. Et forcément, également en préparation de match. Et sur une équipe qui, sur le papier, paraît meilleure, le coach a eu des mots très forts, et il faut qu'on les ait toujours pour l'humilité dans le business, c'est... il faut jouer ce match comme si on devait tout donner, comme si on est challenger tout le temps. Et les plus gros défauts, c'est de se reposer sur le talent en disant, puisqu'on a plus de statistiques de gagner, on va la jouer un peu plus facile. C'est humain. Surtout, exemple, en basket, faut gagner en finale NBA, il faut gagner 4 matchs. Bon, ben, quand tu mènes 3-1, le risque, c'est de dire, oh, ben, c'est bon, c'est quasiment fait, le quatrième match, il est dans la poche, je vais pouvoir pas tout donner ou pas être à 120%. Ben, si, c'est au contraire. Jusqu'au bout, tant que c'est pas gagné, un deal, un client, tant qu'il n'est pas satisfait, on n'a pas, il faut pas se relâcher, parce que sinon, parce qu'il y a toujours, il y a des facteurs qui nous échappent dans la compétition et qui peuvent et voilà, et qui peuvent faire basculer. Ouais, t'as toujours l'outsider qui t'attend au tournant, effectivement. Et dernier point du coup de ce podcast, un conseil que tu aurais aimé recevoir, Ludovic, il y a 20 ans, ça serait quoi? Oh là là. Tu peux en tenir qu'un seul. Hein. Apprendre à bien se connaître, à mieux se connaître, apprendre à se connaître. Et ça, il y a plein de sous-thématiques. Hein. Bien gérer son énergie, bien gérer son entourage, bien gérer ses forces et ses faiblesses pour savoir où on doit aller et où on ne doit pas aller. Pourquoi on est bon, pourquoi on n'est pas bon. Et sur quoi on doit se développer. Ça, c'est vraiment... J'ai mis beaucoup de temps par itération à le découvrir au fil de mes expériences et des formations auxquelles j'ai pu assister, et pour moi c'était quelque chose dont j'avais pas conscience à l'époque et qui me sert énormément aujourd'hui, et que j'utilise énormément également dans le management de mes équipes pour les aider à se développer. Super intéressant. Et t'as trouvé pas forcément une façon, mais comment est-ce que t'en as pris plus conscience récemment justement? Je vois l'impact. Dès que tu changes des habitudes ou des choses que tu fais naturellement, tu dis tiens, ça, si je faisais un petit peu différemment, parce que ça je le fais un peu au talent ou je le fais à l'habitude, ça marche très bien comme ça, donc je le réplique, voire je l'étends sur d'autres sujets. Donc on parlait de la zone d'excellence. Par contre, il y a d'autres sujets, d'autres façons de faire qui, je pense, me prennent beaucoup d'énergie, de temps, où je suis moins performant, je devrais faire différemment, sans me contraindre particulièrement, parce que je connais mes forces et je connais mes zones, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, et je deviendrai meilleur, entre guillemets, en adressant ces sujets de manière différente. On est tous concernés, hein, la procrastination sur certains sujets, comment l'adresser, le overthinking, parfois on pense tellement, on veut toujours trop analyser, on n'est pas assez dans l'action, on n'ose pas dire non. Parfois, dans différents sujets, on pense qu'on a une énergie de dingue, donc on veut faire trop de choses en même temps ou dans l'absolu. Il faut savoir gérer ça correctement. Voilà. Et puis, également être conscient de, je parlais tout à l'heure de biais cognitifs. Ça, j'en ai appris beaucoup. C'est-à-dire qu'on est, tous les jours, tous nos choix sont influencés par des biais cognitifs, et en management aussi, et dans le business aussi, et nos clients aussi. Donc il faut en avoir conscience quand on le fait, on dit, c'est hyper important en recrutement, en management, ou day to day dans nos relations commerciales. Ouais, effectivement, en plus surtout quand tu fais, enfin c'est un échange d'humain à humain, donc forcément il y a des biais qui se passent. Le cerveau, c'est la meilleure, ouais, c'est encore une passion, tiens, le cerveau, c'est vraiment, ça nous guide, et il est vraiment comme, il déroule un programme, il aime bien quand les choses sont bien établies, et déroule, et donc tu peux le faire changer de façon de faire,
mais il faut bien se connaître pour pouvoir un peu, pas se reprogrammer, en tout cas changer la façon de réfléchir sur certains sujets, et ça aide énormément. Et ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup, et j'incite tout le monde à travailler et à s'en préoccuper, parce que c'est, on apprend énormément sur soi, et surtout on se rend meilleur et, je pense, plus heureux, parce qu'on fait les choses de manière souvent plus fluide, plus simple, sans contrainte, on se fatigue en moins. Et quand on travaille en équipe, c'est ce qui est le plus important. On passe trop de temps au travail dans notre job, donc. C'est marrant puisque du coup tu fais le lien entre le conseil que tu aurais aimé avoir il y a 20 ans et ce que tu impliques aussi à tes managers que tu manages en fait. Apprendre à se connaître soi, ses qualités, ses axes d'amélioration pour travailler dessus en fait. Exactement, leur faire prendre conscience. Je parle du self-awareness. Déjà, prenez conscience de ça. Qu'est-ce que ça vous inspire et comment on va travailler dessus? Ça, c'est mandatory pour moi. C'est vraiment la base à titre perso, du développement que j'aurais aimé et que je transmets aujourd'hui. Super. Bah, merci à toi, Ludovic. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Écoutez, quand vous regardez le ciel, regardez-le la nuit. Il est très, très joli, sans nuages. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien de se dire, waouh, ouais, effectivement, on est bien là où on est tout petit, poussière d'étoiles, comme disait Hubert Reeves, un très beau bouquin, j'incite à lire. Je pense que ça nous permet de relativiser beaucoup de choses sur notre quotidien. Super. Merci Ludovic et excellente continuation à toi. Merci Hugo, à toi également. Merci pour À ce très podcast. bientôt. Au Bientôt. revoir. Au revoir.